on y va avec beaucoup d'envie, on va pas baisser les bras à Clermont. Après, on est aussi conscient que ça va être un gros match parce que c'est quand même Clermont et c'est ce qui se fait de mieux en championnat puisqu'ils sont premiers. Ils ont montré aussi en Challenge européen qu'ils avaient fait des bons matchs. Après, ils ont aussi des blessés, ils ont des blessés importants de leur équipe. Nous, on y va avec beaucoup de motivation, bien sûr, on essaiera de faire le maximum pour faire un grand match. Et on saura, de toute façon, on saura très bien que ça sera, on s'attend à un très gros match de la part des Clermontois. Ouais, on a à peu près le même jeu avec Clermont, et c'est sûr, je pense que les deux lignes de trois quarts vont faire un gros match aussi, donc je pense qu'on verra beaucoup de jeux. C'est un match, bien sûr, particulier contre Clermont, une grosse affiche, et au moins ça me permettra de voir si je suis bien physiquement ou pas. Donc voilà, c'est une très bonne affiche et je suis très content de reprendre ce week-end avec l'équipe. Bah, j'ai un peu d'avance, ouais, par rapport au protocole qui était annoncé avec le chirurgien. Je devais reprendre normalement mi-janvier. Mais lors de la rééducation, les choses se sont plutôt bien passées et ça m'a permis d'avoir un peu d'avance. Donc j'ai à peu près 3 semaines, un mois d'avance. Donc non, non, j'ai pas d'appréhension. Après, j'espère surtout, voilà, je touche du bois, de plus être embêté avec les blessures, parce que je pense que durant ces 2 dernières années, j'ai pas été épargné. Donc voilà, je vais tout faire maintenant pour me protéger aussi, et essayer de plus être blessé, continuer de faire les soins aussi sur l'ischio pour pas que je sois gêné de nouveau sur cette jambe-là, quoi. Bah, c'est une dynamique positive, et c'est les victoires qui amènent à cette confiance-là et la manière dont on joue. Donc voilà, on tente beaucoup de choses et on voit cette année que voilà, il y a pas mal de choses qui nous réussissent aussi, et c'est ce qui fait le bien du groupe, quoi. Et ça se ressent au quotidien, bien sûr, quand tu es dans une dynamique comme ça. Déjà, le groupe est très soudé, et ça le soude encore plus, et ça le permet de se dépasser encore plus, quoi. Comme chaque saison, il y a des joueurs qui ont fait des gros matchs, le groupe vit bien, il y a une grosse dynamique depuis le match de Basse. Donc voilà, c'est super pour l'équipe, et c'est aussi difficile quand tu es sur le bord parce que tu auras de ça, mais bien sûr que c'est super d'avoir une dynamique comme ça, et on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans ce groupe-là et de participer à ce jeu-là, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ce qui fait avancer aussi le groupe, c'est bien. Il y a quelques saisons, on était un peu moins, il y avait moins de rotation, on était peut-être plus exposés, et au moins là, on peut se tirer la bourre entre nous et tous se tirer vers le haut. Donc je pense qu'il n'y a pas qu'au poste de pilier gauche au Stade Toulousain qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde partout, et c'est ce qui fait que les résultats sont là cette année aussi. Bah, je me sens bien sûr de mieux en mieux par rapport aux entraînements. J'ai repris il y a 3 semaines les entraînements sans contact. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai pu prendre de plus en plus de bonnes sensations. J'ai repoussé des mêlées au bout de la 2e semaine. Pardon. Là, c'est mieux. Ouais, petit à petit, j'ai réussi à, voilà, reprendre les bonnes sensations, et j'ai bien pris mon temps pour bien aussi remuscler l'ischio après mon opération au mois d'août. Ouais, c'est une très grosse année, et ça sera aussi déjà d'abord une très grosse année aussi avec le Stade Toulousain, et comme vous dites tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes à mon poste, donc ça sera déjà d'essayer de regagner ma place et de faire le maximum pour jouer et pour l'équipe. Et après, on verra les choses petit à petit. Il faut prendre les jours, les uns après les autres. Surtout dans ma situation, comme je reprends, hein, je me projette pas très loin. J'essaie déjà de penser au match de dimanche, qui sera un match très important. Ben, moi, ça m'inspire. Je trouve que c'est quelque chose de bien déjà qu'ils en aient parlé. Et après, on essaiera de s'adapter par rapport aux règles qui sont données pour protéger le maximum les joueurs et nous, quoi, en l'occurrence. Si ça peut nous mettre encore plus en sécurité, on est pour, bien sûr.